On va pouvoir se lever ensemble, on va louer le Seigneur. Est-ce que vous vous réjouissez de le louer? C'est mieux. On est content vraiment de le faire tous ensemble. Et on va commencer avec ce premier chant qui dit « Chantons et levons nos mains. » Et levons nos mains. Donc ce soir, vous avez le droit de chanter et de lever vos mains vraiment pour louer le roi des rois. C'est parti. Un chant s'élève sur la
Oh, le Seigneur est fidèle et bon. Bien-aimé, je crois qu'on a... J'ai envie de me réjouir encore avec vous et je vais prendre... Alors, vous m'excuserez, mais on va prendre Dieu admirable. Est-ce que vous aimez ce Dieu de miracles que nous servons, que nous aimons? On va prendre Dieu admirable en sol. Tu transformas l'eau en vin. Acclamons-le, le roi des rois. Tu transformas l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Disons-lui, Seigneur, tu es notre roi, tu es celui qui est admirable, celui qui est fidèle, celui qui est bon, celui qui est notre appui, celui qui est notre ferme abri. Ô peuple de Dieu, élève ta voix ce soir, loue-le par tes prières, loue-le par ton intercession.
Dis-lui qu'il est fidèle. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est ton Seigneur. Père, je t'aime et je t'adore. Et je viens devant le roi des rois, non pas par habitude, mais par privilège. Je viens devant le Très-Haut, non pas, Seigneur, parce que j'ai l'habitude tous les mardis soirs de venir dans ce lieu, mais parce que je suis conscient. Je viens auprès du roi. Je viens auprès de celui qui est digne, Seigneur. Alors reçois. Reçois la louange, reçois l'adoration ici dans ce lieu, mais également sur Internet. Nous voulons nous présenter devant toi avec reconnaissance, avec sérieux, avec crainte, mais avec joie, comme des enfants. Nous venons devant notre Père, celui qui est digne, celui qui est fidèle. Tu es celui qui nous façonne, tu es celui qui nous dirige, tu es celui qui nous parle, tu es celui qui nous corrige, tu es celui qui nous émonde. Tu es le roi, tu es le Saint des saints. À toi la louange et l'adoration, Père. Merci, merci de ta grâce, merci de ton amour. Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Oh, que le disciple dise, Dieu, que ma prière soit devant ta face. Encore une fois, que les enfants de Dieu le disent et prient, Dieu. Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Celui qui est digne, celui sur lequel nous pouvons nous appuyer. Oh, merci pour ta fidélité. Mes sœurs, rechantez à nouveau, Dieu, que ma prière. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Oh, nous t'adorons, nous t'aimons. Tu es le roi des rois, le fils de Dieu. Merci. Et mes frères, chantez avec moi. Et l'élévation, pendant ce temps, mes sœurs, priez. Yeah.
Yama yalaba, oh yalaba.
Heures, vous venez et vous suivez ce culte fatigué, chargé. Et Dieu vous dit, décharge-toi par le chant en langue. Ne retiens pas la souffrance. Ne retiens pas tes fardeaux. C'est au travers du chant en langue que je veux que tu puisses t'abandonner. Que je veux que tu puisses tout décharger à mes pieds, au pied de la croix. Simplement décharge ce soir, décharge. Yossi yara, yossi l'olama. Yo qui la vaya la los, qui no vaya sanio, yala malava, yala vala vala so, lo marrande coyosi, amanti lolo via, yo qui sanio la lo. Oh, pendant que les instruments se laissent conduire, loue, adore, yo qui sanio. Yes,
chanson, je t'exalte. Je t'exalte. Je t'exalte. Je t'exalte. Comme devant le roi, contemple-le. Contemple sa beauté, contemple sa splendeur. Contemple sa royauté, sa seigneurie. Il est au-dessus de tout. Alléluia, Jésus, nous t'exaltons. Seigneur veut parler, te parle à toi. C'est un homme à qui le Seigneur s'adresse et il te dit, mon fils, tu crains les ténèbres. Tu crains les ténèbres qui viennent devant nous, tu crains les difficultés. Le Seigneur te dit, mon fils, si tu crains, c'est parce que la main de l'ennemi s'est abattue sur toi. La main de l'ennemi est sur toi. Ta vie n'est pas claire. Tu m'aimes, mais ta vie n'est pas totalement en règle. Je te le dis, mon fils, mets ta vie en règle. Répare ce que tu dois réparer. Il y a des choses que je t'ai demandé de faire, que le Seigneur t'a demandé de faire, mon frère. Et il te le dit, ces choses que je t'ai demandé de faire, je ne suis pas revenu en arrière. Et à cause de ce manquement, à cause de ces failles, la main de l'ennemi s'est abattue sur toi. Aujourd'hui, tu es troublé, ton âme est troublée. Et tu dis, Seigneur, pourquoi ? Et je te parle et je te dis, mon fils, si tu crains, c'est parce que tu as donné accès à l'ennemi. Répare ce que je t'ai demandé de réparer. Restaure ce que je t'ai demandé de restaurer. Humilie-toi et tu verras ma grâce. Et tu verras la paix t'envahir. Et tu verras la main de Dieu sur toi. Parce que je suis celui qui t'aime et qui te conduit. Et le Seigneur veut parler également à une sœur qui nous suit sur Internet. Vous êtes atteint d'un goitre, ma sœur, et vous en souffrez régulièrement. Vous avez cette démangeaison. Il n'est pas toujours visible, vous arrivez à le cacher, mais régulièrement, des démangeaisons sont suivies de ce problème, se suivent de ce problème. Et le Seigneur vous dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Là aussi, je suis avec toi. Je vais te porter et je vais surtout te guérir maintenant. Et tu vas constater une guérison totale et entière, mais cette guérison est progressive. Parce que je veux que tu tiennes dans la foi. J'attends de toi une persévérance. Persévère dans la foi, ma fille, et tu verras la guérison. Et il n'y aura pas un long moment, ma sœur, mais cela va prendre plusieurs jours. Et le Seigneur vous dit, persévère. Il y aura même un jour spécifique où vous aurez l'impression que les choses reviennent. Tenez ferme dans la foi et vous verrez la gloire de Dieu, vous dit le Seigneur qui vous aime. Et le Seigneur veut parler également à une personne qui
vous avez vu un ophtalmologue et vous constatez depuis maintenant de plus en plus de temps qu'un strabisme vient au niveau d'un de vos yeux et le médecin parle ils ont parlé d'abord d'opération et ils disent cela n'arrangera pas bien les choses et on va mettre des lunettes spécifiques et vous croyez en Dieu. Et vous avez dit Seigneur, je crois que tu es capable de me toucher. Et le Seigneur honore votre foi et il vous dit mon enfant, parce que tu as cru, eh bien tu verras. Et tu verras une restauration complète et totale parce que je suis le Dieu qui t'aime, te dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut également toucher quelqu'un. Tu as été opéré de ton estomac ton désir c'est de maigrir et l'opération, finalement au début c'est bien passé, mais finalement il y a des problèmes qui sont devenus récurrents et c'est comme si toute ta santé est déréglée. Toute ton alimentation est déréglée et tu ne sais plus quoi faire et Dieu te touche. Et il te dit, fais-moi confiance. Fais simplement moi confiance car je suis celui qui guérit ton estomac, qui répare et qui va t'aider et qui va t'apprendre à gérer la nourriture, à gérer ton corps et ta santé. Je suis ton Dieu, ce Dieu vivant qui te guérit et qui agit. Le Seigneur veut également parler à quelqu'un, tu as vu apparaître des tremblements. Tu commences à vivre des moments de tremblement. Et Dieu te dit de la même manière que ces tremblements sont apparus, ces tremblements vont repartir parce que je t'aime et que je te guéris. Amen. Le Seigneur veut parler aussi à un frère. Et je te dis frère parce que tu vis un moment particulier ce soir. C'est en venant dans la présence de Dieu, en touchant la sainteté de Dieu, tu pleures. Et tu pleures notamment sur ces choses impures que tu pratiques. Tu es lié par l'impureté. Et le Seigneur te dit tout simplement ce soir qu'il t'aime. Il te dit, il veut te dire ce soir, mais je suis venu pour rendre libres les captifs. Je suis venu briser les chaînes. Et ce soir, je pose ma main sur toi et je te libère. Tu es libre parce que je t'aime. Non pas parce que tu as essayé de te battre par tes propres forces, mais je veux te montrer ce soir. C'est parce que tu es venu t'approcher de moi, tu es venu toucher à ma sainteté. Alors je te libère parce que je t'aime tout simplement. Ce que j'attends de toi, c'est que tu me cherches. C'est que tu cherches ma sainteté, que tu cherches ma présence. Et tu verras que tu ne vas plus rechuter, mais que tu vas aller de victoire en victoire. Parce que je te libère ce soir, te dit le Seigneur. Et le Seigneur veut aussi parler à un autre frère. Et il y a un appel sur ta vie, et tu le sais, tu as eu des confirmations, Dieu t'a parlé. Et il y a cet orgueil qui vient là sur ton cœur. Le Seigneur veut juste te dire, mais je veux t'utiliser, mais dans l'humilité. Sois le serviteur de tous. Continue à me servir simplement. Et en mon temps, je t'utiliserai comme moi je le veux. Mais veille sur ton cœur. Veille à l'orgueil. Veille à ne pas te sentir supérieur aux autres. Parce que sinon, tu risques de chuter. Ce que je t'invite à faire ce soir, c'est à t'humilier devant moi et à marcher d'un cœur humble et un cœur de serviteur, te dit le Seigneur qui t'aime. Alléluia. Dans la continuité de ce temps de chant long, le Seigneur parle à son peuple et dit « Vous êtes venus chercher ma face ici, dans ce lieu. Vous êtes venus me louer dans de nouvelles langues ici, dans ce lieu. Et c'est bien, je vous ai fixé ce rendez-vous. Mais je vous attends aussi chez vous, chaque jour, dans votre domicile. Je veux que vous cherchiez ma face, que vous me louiez en langue de la même manière. Et je viendrai dans ma présence de la même manière. Je viendrai dans votre demeure. Je viendrai toucher vos cœurs. Et vous allez vivre des dimensions nouvelles. Vous allez être parfois pour certains guéris. Vous allez être pour certains eh bien, restaurés, relevés, édifiés. Je veux vous conduire plus loin. Mais c'est dans le secret de votre demeure que je vous cherche. C'est dans le secret de votre demeure que je veux vous rencontrer. Venez chercher ma face. Et comme j'agis ici, dans ce lieu, à chaque rencontre, et vous voyez que je suis fidèle, j'agis, il y a des malades qui sont guéris. De la même manière, je veux agir chez vous, dans votre domicile. Je veux vous emmener dans une dimension nouvelle de ma présence, vous dit le Seigneur ce soir. Amen. Amen.
Père, merci pour tes paroles. Seigneur, nous ne voulons pas les laisser tomber à terre. Fais-nous grandir, fais-nous te connaître, Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Merci pour ta présence, Jésus. Amen. J'aimerais que nous puissions terminer ce moment avec un dernier chant. Peut-être que plusieurs ici ne le connaissent pas, les paroles vont s'afficher. Il s'intitule « Glorieux mystère ». Je vous inviterai à vous lever pour ce dernier chant. Insondable mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, tu t'es révélé à nous. Insaisissable grande, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous, revêtu de lumière éclatant de you.
tu restes le même à jamais. Tu es couronné, couronné de splendeur. À toi tout l'honneur, à toi Jésus. Soit tout l'honneur. De tous nos cœurs, nous t'adorons. Seigneur, c'est de tout notre cœur que nous le chantons, nous t'aimons. Et nous t'adorons. Est-ce que tu peux terminer ce moment en disant, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Merci Père pour ta présence, mais merci parce que je peux t'aimer. Tu m'aimes avant quiconque, Seigneur, et moi je peux t'aimer en retour. Que ton nom soit loué, béni Père éternel. Alléluia.